On amorce cette promenade, euh, qui s'appelle, euh, comme vous l'avez tous lu je crois, les mots et le paysage. Alors l'idée de cette promenade, c'était de, de travailler sur le lien qui nous rattache à la terre où, où on vit, où on habite, même si on n'y habite pas directement, mais euh, l'idée c'est d'aborder cette question. Euh, ce lien à la terre, il passe euh, euh, souvent on en a conscience par ce qu'on mange. Là il y a un petit potager, donc... Euh, les légumes, ce qu'on produit, ce qui vient de la Terre, nous, nous y relient directement. Mais il y a d'autres éléments qui nous relient à la Terre, et par exemple les mots et le langage. Et c'est plutôt ce fil-là qu'on va tirer euh, ce matin dans le cadre de cette promenade. Et les mots va, autour desquels on va se promener, justement, ce sont les noms des lieux, les lieux dits, qu'on appelle euh, savamment les toponymes. Et donc, on va suivre euh, ces ces, les toponymes que nous allons... Euh, croisé et Frédéric Fijac que je vous présente qui est ici merci Frédéric avec plaisir euh, qui connaît bien la langue qui connaît bien aussi la langue occitane et qui connaît bien l'histoire de la langue va partager avec nous euh, des hypothèses sur ce que signifient les, ouais. des, des les lieux dits que nous allons ouais. croiser voilà des hypothèses et des rêveries aussi parce que voilà c'est euh... C'est toujours. Euh... Enfin, moi, ce que je vais essayer de partager avec vous, c'est ça. C'est-à-dire que, bon, il y a une curiosité, il y a donc des. Après, une volonté d'avoir quelques éléments scientifiques, on va dire ça quand même comme ça. Mais pour moi, il ne faut jamais que ça empêche de rebondir vers. Euh... Vers, vers des ailleurs c'est-à-dire que euh, c'est pas simplement de savoir ce que ça voulait dire mais c'est ce que ça évoque le lien un peu si vous voulez si je devais faire une comparaison quand on regarde les, les étoiles on est tous à, à, accoutumés à entendre parler de constellations on les cherche on les bon il faut savoir que ces étoiles là elles sont pas sur le même plan c'est des constructions euh, mentales ça n'empêche que c'est très beau et ça a permis d'y projeter des, des siècles de, de légendes d'histoires et ça nourrit d'autres euh, d'autres curiosités y compris des curiosités scientifiques mais ben, le paysage c'est un peu c'est un peu ça ce, va, ce sur quoi on va, on va cheminer quoi. Voilà. et le, tu parlais tout à l'heure du jardin le, le lien ça sera le lien de toute façon à la, à la nature parce que il euh, y a, y a quelqu'un que j'aime beaucoup qui est passé dans le département aussi d'ailleurs il a une école à son nom à, à Agen on sait pas trop pourquoi c'est un grand bonhomme qui s'appelle Élisée Reclus et qui disait que l'homme, c'est enfin, la, la nature qui prend conscience d'elle-même. Voilà ce qu'on va essayer de, de faire à un petit niveau, mais c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on en fait partie de, ce, de cette nature et ce que l'on va voir, ben, c'est des choses un peu fossilisées ou cristallisées de, du rapport que les hommes ont eu au cours, des, au cours des temps avec ce paysage, aussi bien que de le transformer. Aussi bien de défricher que d'y de, que de, de, mettre telle ou telle culture, de détourner un ruisseau. Euh, mais ces mots-là, ça marque un rapport, au, une sorte de manière de faire, un, comment dire, de renouveler un pacte régulièrement avec l'endroit dans, dans lequel on vit. Moyennant quoi, on n'est pas si loin de certaines civilisations animistes. Voilà. Merci pour euh, ces précisions. Alors, le premier lieu dit. Voilà. Euh, à côté, sur lequel on se trouve, le panneau se trouve juste derrière toi justement. C'est génie, Bread. La plupart, sinon tous, je pense, sur la balade des, 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 des mots qu'on va rencontrer, parce que ce sont des mots, comme d'ailleurs dans notre région et au sens large entre les Alpes et les Pyrénées et de, de l'océan Atlantique jusqu'à la Méditerranée, euh, le fond il est occitan pendant, pendant presque un millénaire. On a parlé cette, euh, cette, cette langue. Et en tout cas, les noms de lieux que vous avez là, je vous donne un exemple, je n'ai pas travaillé sur le coin, mais j'ai travaillé sur du micro-toponyme sur euh, Moissac, qui est pas loin. Euh, vous avez presque 70% des noms existants encore au début du XXIe e qui étaient fixés au XIVe siècle. Ça vous donne une idée du fait que c'est pas par écrit, c'est par oral. Tout ça, nous, on le voit, on voit ce n'est pas nous, on voit Zenibred. Génibred, Cénibred, on le voit comme ça, on l'a écrit, on l'a transcrit, mais ça n'a pas été transcrit tel que la langue l'aurait euh, transcrit. Quoi. Et donc, en fait, ben, il faut déjà une curiosité vis-à-vis -vis de cette langue, parce que sinon, ben, ça n'empêche pas d'inventer des histoires, hein. même avec le français, quand on a l'impression que ça se rapproche, c'est toujours une envie, une curiosité. Là, ça fait référence au genièvre, alors Tzinèbre, mais qui devient cénibre. La langue occitane, elle aime bien changer des, changer des, des voyelles de place ou des, ou des consonnes. Et ça désigne un endroit, alors là, vous pouvez le chercher, il n'y est plus, c'est Genièvre maintenant. Par contre, là où c'est intéressant, et c'est toujours comme ça, enfin c'est beaucoup comme ça un nom de lieu, c'est pas que le nom. Il y a une église, il y a une église isolée, on va dire. C'est vrai qu'on est en zone de peuplement dans, dans notre région très. Euh, avant qu'il y ait des chefs-lieux vraiment avec une, avec une mairie ou qu'il y ait un petit village, c'était. Une des zones d'habitat dispersé les plus importantes en France, le pays de serre et le pays au bois. Et donc il y a l'église comme ça, il y a forcément un sanctuaire. Voilà, on a décidé de la mettre là. Et cénibred, ça veut dire le Genièvre. Mais à, à plus loin que ça, ça veut dire un lieu planté de Genièvre. On ne l'a pas planté. Couvert de Genièvre, c'est-à-dire l'équivalent, même chez moi encore en Dordogne, une autre cénibred, c'est un endroit où on ne fait rien quoi. Il y aura du, du, du caillou, il y aura de la mauvaise, de la mauvaise terre et on y mettra ben, les moutons. Donc, ça aussi, euh, si on remonte plus loin au Moyen-Âge, une idée de. Ça peut être un, ce qu'on appelle un désert, un, une friche. Et bon, ben, là, on a une église. Donc, euh, il se peut qu'il y, qu y ait eu quelque chose avant, d'autant que pas loin. On a. Euh, euh, alors, si je me, il faudrait que je m'oriente exactement. Il y a deux endroits qui sont intéressants. Il y a la Strespeiros, voilà, qui est ici. Et il y a Peirolebado, qui est juste. voilà. Pardon, pardon. Oui. La c'est par là. C'est là, Et c'est Peirolebado qui est là. C'est voilà, pour ça que je cherchais. Hein. Et là, ça désigne des endroits qui étaient liés soit à un culte ancien, parce que Trespeiros, en général, ce n'est pas forcément le mégalithe. Hein. Ça peut être un endroit où il y a une séparation de, de territoire. Mais il y a juste en face de la vallée une Peirolebado. Donc on est dans quelque chose d'ancien euh, et pas, souvent les églises elles sont sur un, sur un site qui, est, qui était consacré à un autre culte avant. Alors ici je ne connais pas, apparemment il n'y a pas, j'ai cherché, il n'y a pas de, de source ni rien, mais euh, souvent ça arrive. Voilà. On Donc avance. le Genève, on va avancer. Allez, allons-y. Ah, si, j'ai oublié de dire quelque chose. Moi, je me suis intéressé à cette langue grâce à ma grand-mère et aux gens qui vivaient autour. Et parmi ces gens, il y avait des gens qui n'étaient pas allés à l'école, mais qui étaient des savants, véritables, qui lisaient beaucoup. Et c'est un monsieur qui faisait son jardin qui m'a appris que le genièvre, chez, chez les Assyriens, tu chercheras, il m'a dit, c'était un dieu. Et plus tard, ça m'est revenu. Et effectivement, euh, le Genièvre, il est associé. Alors, c'est pas ce Genièvre qu'on a chez nous ici, ça en est d'autres, mais peu importe. Il est associé à un dieu qui s'appelle Nabou chez les Assyriens. Et euh, c'est le dieu des, des scribes. Pourquoi Parce que du, euh, enfin, le, la présence du dieu est dans l'ombre du Genièvre. Prenez l'ombre du Genièvre, vous avez une ombre cunéiforme. Donc voilà, on va faire un chemin, on va chercher des noms, mais on est sous la, le patronage de, du dieu des scribes. C'est pas, pas si mal pour la, pour la promenade qu'on fait. fait, voilà. C'est pas une date de naissance, 1994. Parce que c'est vrai que ça donne des trucs. Alors j'espère que ce n'est pas trop un calvaire, mais on va faire la deuxième station <laughs> ici. Donc là, c'est je vais dire le contraire de ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que j'ai parlé de l'occitan. Euh, et là, on va voir un, un nom qui, est, qui, est, qui se raccroche à des choses très 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 anciennes, bien plus anciennes que la langue occitane. Mais comme un nom de lieu... Euh, les, les hommes qui les ont donnés c'est pour faire pacte avec le territoire avec le paysage le comprendre euh, se mettre dans un réseau de correspondance on se comprend c'est ce que ça veut dire un nom quand il était plus compris il y a que nous qui sommes dans une société on s'en fiche de savoir ce que veulent dire les noms un nom quand il était plus compris on leur a interprété ou alors il y avait une espèce de, de dérivation populaire qui faisait qu'il fallait quand même qu'on continue à le comprendre donc le, le nom là ici Kant alors en occitan si je le dis ça va faire canto merlo alors évidemment, canta c'est chanter, merle c'est euh, l'oiseau, donc euh, ben, oh, les gens, quand on leur demande, oui, mais ça veut dire qu'il y, bon, y a des arbres en plus, il y, a, il y avait des merles, ils chantaient. Bon, sauf qu'on en trouve dans des endroits complètement rares encore, bon, les merles. Et puis oh, les gens se sont aperçus, qui qu font des recherches là-dessus, que des cantos il y en a plein, canto perdits, chante perdri, si on veut le comprendre comme ça, canto grêle, chante grillon, enfin voilà, on pourrait. Euh, même des cantos loups. Chanteloup, euh, un loup qui chante, euh, on ne l'aurait pas dit même par métaphore euh, à l'époque. En fait, ce sont des, des mots bien plus anciens. Alors il y a la partie Kant que vous retrouvez dans Cantal. Je vous donne cet exemple parce que ça on l'a en tête, mais vous allez l'avoir dans plein d'autres noms de lieux. Et ça désigne une base en général euh, rocheuse. Il y, a, il, y a de, il y a de la roche. Et merlo ou, ou une hauteur pas forcément de la roche au sens strict, ça peut être une éminence, mais souvent une hauteur, elle est basée sur quelque chose de plus solide en dessous. Et Merlo, alors Kant, c'est donc un mot, oh, les gens se disputent, ça ne voudra rien dire, si je... mais enfin, c'est des langues parlées avant l'arrivée des Indo-Européens, c'est ce que l'on dit. Voilà. Par contre, Merlo, ça, ça se rattache à des choses connues au niveau Indo-Européen, c'est-à-dire celte, et c'est un des mots que l'on connaît en, en gaulois, euh, margillo, ou je ne sais pas comment ça se prononce exactement, ça désigne une terre un peu avec des cailloutis une mauvaise, une mauvaise terre. Donc de toute façon, le doublé, quand on ne devait plus le comprendre, on y a rajouté déjà merle. Et il se trouve que même si on ne sait plus ce que ça veut dire quand en occitan, vraiment au sens strict, quand on l'emploie, euh, la, la, la merle des merles, à cause des merles, euh, ça veut dire aussi que euh, euh, c'est de la merde, parce que, enfin, même si c'est pas le sens, mais ça veut dire que c'est une terre voilà très mauvaise, avec euh, il peut y avoir des bouts d'argile, il peut y avoir des cailloux, enfin, c'est vraiment quelque chose de, de très ingrat à l'origine. Et du coup, moi je peux pas en témoigner, puisque chez moi en Dorne, ça se dit une un canto merlo, c'est un terrain qui vaut rien. Donc ça a rien à voir avec faire chanter le, euh, chanter le merde. Donc c'est le sens sous-jacent est quand même resté. Même si on comprend plus le, tout à fait le tout à fait le mot. Et ça, je, je, je vais rendre hommage à Yves Boissière ici. On va en profiter parce que je me souviens d'une remarque que faisait un monsieur avec, à qui j'avais dit d'écouter sa chronique toponymique. Oui, mais il finit toujours en disant mais c'est pas sûr, il faudrait vérifier. Payre. Pourquoi j'ai dit j'ai dit ah non pardon payrer parce que je dois aller porter quelque chose à Yves. J'ai fait le lapsus. et payre. Donc voilà qui qu finissait ses chroniques toponymiques et le monsieur disait mais mais oui, mais il dit, mais il ne sait rien alors, pourquoi il nous parle pendant, pendant plusieurs minutes, il ne sait pas. Il était justement très prudent, il fallait, il faut, des, des noms de lieux comme ça, il faut bien sûr, vous faudrait prendre le temps de voir qu'est-ce qu'il y a eu comme euh, mise en valeur du sol pendant des siècles. Ça, on peut avoir des outils, on peut retrouver des choses. Il faut, il faut parler aux gens autour, et il faut connaître aussi des fois, ça permet de distinguer une, dans une possibilité d'interprétation exactement comment ça se dit. Parce que euh, suivant la région où vous êtes, ça ne va pas se dire pareil. Ça permet des fois de, de, de distinguer entre trois hypothèses qu'on avait. Je peux vous donner des exemples. On n'aura pas d'exemple parlant là, mais euh, voilà. Et était quelqu'un quand il faisait ce travail de toponymie de, de très très pointilleux et qui avait une connaissance alors de la langue dans la, dans la région bien plus grande que celle que je n'ai moi. Donc euh, voilà, on va pouvoir aller voir d'autres toponymes. Ceci dit, quand on regarde là, le nom on se demande, parce que c'est pareil les noms, des fois ils restent là, mais ils peuvent avoir des données à un autre endroit. En fait, il y a une espèce de... Comme maintenant, hein, maintenant, avec la simplification qu'on va avoir, il y a des noms qui vont, qui vont désigner des endroits qui ne correspondent pas. Donc pour faire des hypothèses sur le terrain, par exemple, et sur la mise en valeur, il faudrait gratter du papier et chercher. Euh... Mais c'est vraiment à tester, ça c'est pas des, des reconstructions. Euh... Alors, ce qui est intéressant ici, c'est qu'il y a plein de panneaux différents. Et euh, donc, on voit trois lieux dits, Charot, Lacoste et Périgot. Et on voit aussi ce nouveau panneau qui s'appelle Chemin de Périgot, qui indique donc Chemin de Périgaud. Et si je m'y arrête, c'est que la présence de ce panneau est à l'origine aussi de cette initiative ouais. de travailler sur les lieux dits. Parce qu'en fait, elle est l'expression euh, de cette réforme de la, qui s'appelle la réforme de l'adressage, qui est une réforme nationale. Et qui a pour but de renommer en fait, les noms des lieux en remplaçant les lieux dits par un numéro et un nom de voie. Donc la voie peut être route, impasse, chemin, etc. etc. Sur la commune de Pauillac, cette, cette, cette nouvelle dénomination va provoquer le fait qu'on va, euh, va perdre 70%, pardon, 70 de l'usage des toponymes de la commune. Donc, euh, il n'en restera plus que 30. Donc, en l'occurrence, ici, euh, c'est très éloquent il y avait Charot, Lacoste et Périgo Et le seul qui reste, c'est Périgo Et avec un, un trouble au niveau de la graphie. Oui. Mais... Euh, voilà. Donc, cette question de la perte des usages de, des lieux dits et, euh, voilà, a été un peu le moteur euh, et le, le, la chose qui m'a qui donné envie de travailler cette question. Euh, voilà. Parce que ces mots, euh, comme on l'a évoqué depuis le début de cette marche, euh, ils font vraiment le, font le lien avec euh, ce lieu qu'on habite. Voilà. Alors, on peut continuer parce que poétiquement, on voit bien que Charot, Lacoste et Périgot, qui sont en train de s'effacer, ils sont en face d'une voie sans issue. Et là, on a le nouveau monument qui a été mis dans du, dans du ciment. Donc, alors, euh, déjà, Périgot, tu as parlé de la graphie. Ça revient, j'en ai parlé tout à l'heure. C'est vrai que les gens qui ont écrit ces mots-là, ils arrivent bien après le fait qu'on qu les ait en usage. Et alors, il y avait une écriture quand même, mais je ne vais pas rentrer dans les choses trop longues. L'occitan, c'est toujours écrit, mais c'est même une des langues pour lesquelles il y a les attestations écrites parmi les plus anciennes. On est aux alentours de l'an 1000, dans, les, dans les, premières, les premières exceptions où c'est écrit, où on reconnaît de l'occitan sans strict. Et le problème, c'est que les gens qui après apprenaient à écrire, la plupart, ils avaient été, euh, alors ce n'est pas forcément des écoles comme maintenant, mais ils, étaient, ils avaient été dans une école entre guillemets française. Ils avaient appris en graphie française. Donc, ils étaient embêtés pour transcrire des accents, des inflexions toniques, parce que c'est ça y a. Il n'y a pas simplement la prononciation. Le français est une langue plutôt plate en tant que telle. Alors que la plupart des langues européennes, elles ont des. Voilà, ça monte, ça descend. Même l'anglais, ce n'est pas forcément les langues latines. Il hein, y a des. Et les Français en a du mal avec ça. Donc quand il, les, quand il faisait la graphie, suivant aussi la manière dont le prononçait la personne, parce que la personne pourrait parler occitan, mais être d'une autre région. Donc voilà. C'est pareil pour les noms quand ils venaient déclarer la, à la naissance. Hein. C'est la même chose. Donc on se trouve, de la même manière que pour les noms à la naissance, ben on a des fois, quand on cherche, là j'ai cherché dans l'ancien dans cadastre, euh, le Périga où il est écrit comme ça. Donc là, en fait, ils ont quand même fait un essai de, de retranscrire, parce que celui-là, le périgote, il est pas ne correspond pas à la prononciation euh, ancienne, en tout cas ici. Voilà. Et de même, charot, dans le cadastre, ça s'écrit que deux R. Voilà. Et, Et alors, là, il n'y a qu'un seul R. Voilà, alors j'allais commencer par celui-là. L'exemple que, que tu donnes, c'est très intéressant, parce que là, il permet de dire que l'hypothèse qu'on a sur charot, charot, elle, elle est bonne, c'est-à-dire que ça désigne un... Un, un borborigme, un bruit que fait un peu de l'eau, ou si nous on est en train de, de faire comme ça. Et il n'y a pas loin une source, donc ça désigne très certainement un endroit où l'eau où l'eau où l'eau sort. Charuta chez moi, c'est quand on prend la, sou la soupe et qu'on fait comme ça. Voilà, on mange la on mange la soupe. Donc c'est un mot qui existe encore et qui s'utilise encore. Et il a deux airs. Voilà, ça fait partie du roulement qu'il y a. Voilà, donc ça, c'est euh, voilà, un, un des exemples qu'on on, on sait par. Euh, c'est une sorte de. On pourrait dire quoi ouais, C'est une image qu'il y avait une source par son, par son bruit. Alors, Lacoste, ça, euh, bon, vous en avez un peu partout. Voilà, il y a une côte. Ce n'est pas, pas bien, bien original. et Alors, il y en a qui tiennent hein, Lacoste. Enfin, ils en auront besoin peut-être pour leur boulot ou pour quelque chose parce qu'ils ont mis leur petit panneau personnel. Et alors, Périgao. Alors, vraisemblablement, là je vais faire comme, euh, comme Pierre Wasser, dont je parlais tout à l'heure, vraisemblablement, c'est fait sur deux prénoms. Euh, il tourne. Ou sur un nom et un prénom. Dans, dans Périgau, il y a, y a Père ou Père, Père, et Rigau, Rigau qui est un prénom euh, médiéval et qui est devenu un nom. Des gens qui s'appellent Rigaud, il y en a. Alors ça peut être un, un, un nom composé, euh, vraisemblablement c'est ça. Il pourrait y avoir une autre hypothèse, mais en allant chercher, je n'ai pas eu le temps. Voilà. Ça pourrait être aussi, il y a un mot qui existe, une paye régal, ou une paye régao. Toujours pareil, c'est un endroit où il y a de la, de la pierraille. Ça se pourrait aussi. Même si normalement le, le Y n'aurait pas, enfin le, le aurait pas disparu. Voilà. Vraisemblablement, c'est plutôt... Il y a beaucoup de noms de lieux qui sont... On va pas prendre des choses très originales, qui sont liés au, à la, à la, au prénom ou au nom de famille des personnes qui y habitaient. Voilà, ça c'est... On va en voir, voir d'autres si je me souviens bien. Et là, vraisemblablement, vraisemblablement c'est ça. Rien à voir avec quelqu'un m'avait dit, oui, c'est peut-être le chemin du périgord. J'ai dit non, ce n'est pas, pas, pas possible, parce que les mots, ils évoluent, ils sont transformés dans la bouche des gens qui les parlent, mais ils ne peuvent pas évoluer n'importe comment. Ça serait long à expliquer. Aussi, il y a une logique de la langue qui fait qu'on peut accepter certaines hypothèses et il y en a d'autres, non. Périgord, euh, impossible. Okay. Je voulais juste te dire une petite chose sur Charot. Pour conforter ton hypothèse, c'est que Charot, c'est la maison que mes parents ont achetée et ont retapée. Et euh, ma mère nous a toujours raconté qu'il y avait au moins trois puits. Voilà, autour de la voilà, maison. Ça. Et elle les a bouchés parce de peur que ses enfants euh, <laughs> trouvent un accident. Mais il y avait au moins trois puits voilà. autour de la maison. Donc il y avait beaucoup d'eau. Voilà. Ce qui est intéressant, je n'ai pas pensé à le dire, c'est que quand, on, quand en général ça désigne soit des idées de bouillonnement comme ça, soit des idées, de, des images de quelque chose, mais c'est le bouillonnement, je vais vous donner les exemples après, ça désigne des, des, des sources qui, bon, l'eau mais elle peut à certains moments ressortir et de façon, euh, voilà, comme des, comme des résurgences. Un peu. Euh, vous avez des exemples comme ça du côté de, de l'Augustinistique aussi. Il y avait un nom qui s'appelait Ascalels. L'oucalel, c'est la petite lampe qu'on avait autrefois quand il y avait la lampe à, à graisse ou à huile et qu'on a maintenant pour faire joli en cuivre qu'on qu met sur les murs mais qui servait. Moi je m'en suis servi encore parce qu'il n'y avait pas l'électricité à la maison de ma grand-mère. Les vaches avaient l'électricité mais pas la maison et donc ça nous arrivait d'aller dans la chambre euh, voilà, avec le l'Ucalel. Et on se dit, mais pourquoi Quel rapport avec l'eau Sauf que ce terrain-là, c'est pour ça que l'enquête est importante par les gens qui m'ont amené, par le maire, il me disait, ben à certaines saisons, là, sur cet endroit, on a l'eau qui sort comme ça, ça fait des petits, comme ça, à plusieurs endroits, comme faisait l'huile du, du calel quand elle, quand elle est en train de, de se... Enfin, de, de la mèche est en train de se consumer, autour, ça pouvait faire des petits, des petits bouillonnements. Donc, c'est une métaphore, c'est typiquement une métaphore, on emploie un instrument du feu pour désigner des résurgences d'eau. Voilà. D'accord. On peut poursuivre ouais. par ici. Juste un tout petit déplacement. <laughs> Alors, Genre ce panneau-là. Bon, croix, bon, ça je ne vais pas expliquer. Si c'était... Vous, vous le trouverez des fois dans certains endroits, ils l'ont gardé en occitan. Vous trouvez des endroits croots ou crooks avec un X, ça désigne la croix. Mais des fois, on ne sait pas si c'est la croix le... Euh, le croisement tout simplement, ou s'il y avait vraiment une croix. Donc ça c'est pareil, il faut chercher. Par contre, euh, comme Alors voilà un mot dont on sait qu'il est d'origine vraisemblablement celtique, mais qui est, qui est compris en occitan. D'ailleurs les géographes l'ont repris pour désigner des vallées sèches. Chez nous une eau combe, elle n'est pas forcément sèche, il peut très bien y avoir de l'eau qui coule. Mais en géographie française ça désigne une vallée, ce qu'ils appellent sèche, ou en tout cas où l'eau se disparaît pendant, pendant un moment. Mais ça vous allez le trouver encore noyé, cumbe. Vous allez le trouver dans plusieurs, dans plusieurs régions, d'où le fait qu'on le rattache à une langue celte. Sans qu'on sache trop, parce que c'est possible aussi que les Celtes qui sont arrivés aient repris la langue des gens qui étaient avant. Parce que là-dessus, euh, voilà, on a peu d'éléments. Mais Combo, c'est vraiment... Une... Ce matin, quand nous sommes partis de Villeneuve, il y avait le brouillard sur Villeneuve. Et euh, un, un proverbe, Fun euh, des cumbo boutoté à l'ombre. Le brouillard est dans la... Et dans la vallée, ne euh, va, pas, va pas travailler au soleil l'après-midi, vous allez voir, mettez-vous mettez à, mettez à l'ombre. Et fume des pêtes, boutoté à liette. Le, si la, si la, la fumée, c'est pas la fumée, mais le brouillard est sur le, sur le haut du coteau, tu peux, te mettre à, tu peux te mettre au lit, parce que de toute façon, tu ne feras pas grand-chose, il va pleuvoir, ou ça va être un temps, un, un temps assez mauvais. Donc voilà pour, pour koumbô. Mais c'est vraiment un nom que vous allez trouver absolument partout, souvent avec un justement un, un explicatif. Alors, Rigalou, alors, ça pourrait être Rigal, parce que c'est un nom de famille, ça pourrait être la combo des Rigal. Mais le diminutif désigne plutôt un petit, une Rigal, une riale, c'est justement un petit ruisseau qui coule. Je ne sais pas si le mot est encore utilisé dans l'Occitan ici, mais dans certaines régions, on parle aussi occitan, le, le mot est resté. Voilà. Ouais, rig, voilà une rigole, mais euh, et une rigale, c'est ça. C'est la même racine que riu, euh, euh, riuset, euh, qu'on retrouve dans ruisseau aussi. C'est des, euh, des racines, latines. Hein, voilà. En tout cas, ça fait référence encore à charotte, etc. On est quand même dans un endroit où il y avait, euh, il y a de l'eau qui est pas loin, alors qu'on est sur une. Euh, voilà. Mais la combo. Si on a la combe, la... Ça, ça y va avec. Il devait y avoir un petit ruisseau qui peut y être de temps en temps et de temps en temps au contraire, ça disparaître. Et alors, parce qu'il y a aussi des choses sur lesquelles je ne peux pas vous répondre, boursicotte <laughs> une, eh ben une bourse. Eh ben, c'est une la... bourse, c'est voilà, voilà là, là, là. Ça peut être l'argent, euh, voilà. Mais boursicotte ça peut être un, un sobriquet parce qu'il y en avait beaucoup. Petite bourse. Alors pourquoi ça? Euh... Il y a pas de... Mais ce n'est pas sûr que ce soit forcément ça, parce que bourso, bourse, boulso ou golso, ça désigne en, en, en occitan plus du Périgord, mais l'influence vient jusqu'ici. Un endroit, la, la golso ou la gorso, c'est un endroit où il y a des arbres qui poussent beaucoup. Donc ça pourrait être aussi une déformation de ça. Donc ben là, si j'ai pas le temps de chercher, si on n'a pas le temps de, de, de tourner les pages, de, de vérifier comment c'est écrit, parce que. Rien que d'aller regarder, regarder dans le cadastre napoléonien, de 1800 et quelques, on voit déjà qu'il est plus fidèle à la prononciation d'ici. Il est magnifique, il est en ligne. Si vous vous intéressez à votre commune, vous allez sur le site des archives départementales et vous aurez euh, l'atlas, euh, pas l'atlas, le, le, le cadastre napoléonien euh, qui est aquarellé, qui est, qui est magnifique et qui souvent, alors déjà, donne bien plus de noms que les noms qui ont été conservés déjà maintenant. Alors que ce cadastre-là, déjà, il faisait un tri. Parce que même quand on demande, ça je l'ai fait pour certains coins de Moissac aux gens qui habitaient encore et qui utilisaient le, le, le territoire, eh bien figurez-vous qu'ils vous disaient que, euh, ah oui, mais ici ils disaient un autre Ils avaient aussi un micro euh, euh, oui, des micro-toponymes qui étaient utilisés et qui n'étaient plus utilisés que de manière orale. Parce que non gardés dans le cadastre. Or, comme je vous l'ai dit, certains de ces toponymes, on les a retrouvés dans les cartulaires de l'abbaye de Moissac, ils existaient au moins depuis le XVe siècle. On n'est pas allé chercher plus loin parce qu'on n'a pas de traces écrites. Donc c'est pour dire un peu que, c'est pour ça que moi ça m'a toujours parlé, ma grand-mère m'expliquait ce que ça voulait dire à sa manière, mais c'est des, oui, des choses qui restent des gens qui ont respiré là, et qui ont, qui ont travaillé, et qui ont fait quelque chose, et ça s'est transmis oralement euh, pendant presque un millénaire. Donc c'est quand même... Euh, moi, ça me, moi ça me parle. Voilà. Je ne peux, peux pas dire mieux. Et puis après, ben on, peut, on peut des fois rêver aussi sur certains noms parce qu'ils vont avoir une sonorité. Quand j'étais petit, euh, en dessous de chez moi, en de chez ma grand-mère, il y a un endroit qui s'appelle Périgodinna. Il tarde à manger. Ça veut dire que c'était un endroit où on allait travailler, on était loin. Donc pour apporter à manger, pour apporter la soupe, et quand les femmes apportaient la soupe, c'était loin. Mais ce, rien que ça, quand j'étais gosse et que je connaissais, je connaissais quelques mots, mais je ne savais pas la langue parfaitement, rien que le nom, Trigodina, ben pour moi, ça avait la même valeur que quand sur les cartes de l'école euh, de la République, je trouvais Tombouctou. Voilà, ça, pour moi, c'est ce que ça déclenche chez moi, ce genre de mots. Pour ça, je suis content de partager. Oui, mais ben comme les, exactement, tout à fait comme les ritournelles euh, dans les chansons. Euh, ouais ou les, les riuchiuchi, ou des mots, des mots comme ça, qui, on n'est pas, pas loin presque du, euh, de l'onomatopée, d'une un, parole magique quoi, qui, qui, qui colle au... Ben, charotte de toute façon, c'est un, un mot onomatopéique, ça désigne le, 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 le bruit que fait la, un liquide qui, un, qui bouge. Quoi. Tout à l'heure, j'ai donné quelques éléments, mais c'est vrai qu'on va retrouver forcément dans les noms de lieux des éléments liés à l'eau, vous l'avez compris, au au relief, au, à la nature de la, du sol, par exemple. Et l'eau, elle est forcément très très présente dans toutes les communes. Hein. On prend la to le toponyme, les toponymes dans une commune, il y a forcément... Et là, vous en avez un autre, c'est la gourgo Alors, euh, dans, la, dans la, la manière de parler dans l'Agenais, dans l'occitan la dans, dans euh, languedocien Agenais, alors normalement une gourgo dans tout l'espace occitan, c'est compris comme un trou d'eau. Ce qui est passé en français sous le mot gour. Un gour, vous le trouvez dans le dictionnaire français, mais c'est un mot d'origine occitane. Alors, à la rigueur, ils vous, met, ils vous mettront Provence, Pro, ancien provençal, ils vous mettront. Avec, euh, très, avec le petit doigt levé. C'était la manière de le de donner. Et donc, voilà, ça désigne un endroit où il y a de l'eau, en tout cas à certains moments, en, en grande abondance. Et euh, par ici, pour avoir travaillé sur les moulins, euh, ça désigne aussi le bief. C'est-à-dire l'endroit qui va se remplir avant que le moulin, parce que des biefs un peu particuliers, pas des biefs qui sont toujours en eau, des biefs où il faut attendre que le moulin du dessus ait moulu, lâcher son eau, le moulin du dessous a rempli son bief, il va travailler et après ce sera au moulin d'après. Parce qu'il y avait, on ne l'imagine pas, mais il y avait la, la, le moindre, la moindre rivière avait des micro-moulins, des tout petits moulins, pas les gros moulins tels qu'on voit maintenant. Euh, il pouvait y avoir des moulins encore à une époque en euh, bois. Tout le cadre était en bois, il y avait juste la meule qui était, euh, qui était en pierre et très peu d'éléments métalliques. Et donc, la gourgue, ça désigne ce, ce qu'on appellerait le bief qui va se remplir en eau et va lâcher son eau de façon euh, forte. Mais ici, on, on va y passer tout à l'heure ça peut désigner aussi un endroit justement où il y a de l'eau tout le temps en permanence avec des moments où ça, voilà, ça ressort. Et ça, ça corrobore tout ce qu'on a vu, vous savez, euh, riga, Rigalou, on a vu tout à l'heure Charotte. Donc il y a quand même, si on regarde, sur, si on regarde en plus le micro les micro-toponymes, on a sur un endroit précis beaucoup de choses liées à l'eau et à une eau très présente, quoique en grande partie souterraine parce qu'on n'est on est pas en zone karstique ici au sens strict, mais il y a quand même des réseaux souterrains très, 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 très importants, et c'est ce qui a fait que les hommes ont pu s'y installer de façon euh, voilà, la gourgo. Ouais. Alors, Roubi, alors Métairie, ça c'est un, un mot français qui est arrivé en, en français, parce qu'il y avait... Il y avait, euh, avait d'autres manières de le dire en occitan, mais en plus, par ici, ce n'était pas forcément des métairies à l'époque où le mot est arrivé. Donc, il est arrivé, du coup, en français, il désignait un usage qui est arrivé par la, par la, par la France, entre guillemets. Par contre, Ruby, alors, euh, c'est tout simplement la forme occitane de Robin, qui est un diminutif de Robert. Voilà. Alors, Ruby, euh, tout simplement. Il y avait un, un, une personne prénommée euh, Robert euh, Ruby. Euh, diminutif. À savoir que les noms de personnes, donc ils se retrouvent beaucoup dans les noms de lieux. Mais il faut savoir que, disons, les noms qu'on appelle nous de famille, ceux auxquels vous êtes accout accoutumés, le patronyme, ils arrivent à, à, aux alentours de l'an mille seulement. Jusque-là, les gens, ben, ils ont simplement leur prénom de baptême. C'est ça qui compte, c'est l'église. Et c'est le, le nom de baptême. Sauf que euh, l'église se retrouve avec les héritages à gérer, les donations, etc., avec un tas de paparazz où il y a des tsan, gens, des, des Roubert, pourquoi pas, des Andriou, et à comment faire le tri. Donc on a décidé d'utiliser, les gens le faisaient déjà le tri, ils avaient un surnom, Andriou del Bosch. C'est pas le même que Andriou del Poum. Celui du bois, n'est pas le même que celui du pont. Donc ça a donné les noms de famille qu'on connaît, du bois, du pont ou du poun en occitan ou delbos qui existe encore aussi sous cette forme-là en occitan. Et l'Église a décidé de les fossiliser, c'est-à-dire de les garder comme un nom de famille qui se transmettaient après de famille en famille. Et du coup, on en retrouve un peu partout, mais ils sont jamais, enfin ils sont rarement originaux. Ça va, ça va tourner autour de Jean, euh, André, comme je disais, Robert, enfin des choses très, très basiques, on ne sera pas dans des prénoms. Euh. Et souvent avec des diminutifs. Voilà, parce que ben, l'usage fait que, on a, même quand on appelle quelqu'un par son prénom, on l'appelle rarement euh, par son prénom tel quel, on va le, on va le couper ou le, trans, ou le transformer. Moi je m'appelle Frédéric, mon grand-père a même appelé Friquette. Voilà, ça, il avait pris le FR, un friquet de petit... Euh... Alors, il se trouve qu'en français, le moineau, le moineau friquet, ça existe. C'est un petit moineau qui n'arrête pas de... Euh... <laughs> donc... bon, ça, me plaise, ça me plaisait beaucoup. Et, et ça va se retrouver... Alors, Je ne sais pas si on va en trouver. Non, on n'en trouvera pas sur la, 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 la suite de la balade. Mais il y a beaucoup de prénoms qui sont coupés différemment en français. En français, quand on coupe, on coupe à la fin. Par exemple, je vais vous le donner avec un, quelque chose qui n'est pas un prénom, qui me vient à l'idée, cinématographe. Ça devient cinéma, puis ça devient ciné. On coupe à la fin. En occitan, un peu comme dans les diminutifs espagnols ou italiens, on coupe au début. Euh, par exemple, quelqu'un qui s'appelle Joséphine, et ça va devenir Fine. On va trouver ça dans les. Dans les on, on coupe le, le José. Par exemple, sur la commune, on a un dit, c'est Mondou. Ah voilà. Alors, ça, c'est tout. Ben voilà, celui-là, il est bon. Euh, bonne, bonne pioche. C'est Ramon. Raymond. Ramundu, c'est le petit Raymond, et du coup, comme je vous dis, on fait, on fait tomber le devant Mundou. Et ça veut dire petit Raymond. <laughs> c'est pas loin de chez toi, Jacques. <laughs> voilà. Et là, c'est... ça on le sait on le sait. Ouais. Ça on le sait, parce que moi j'avais un copain qu'on appelait comme ça encore au collège, à, au lycée à Cahors, hein, Mundou. Voilà. On peut partir par ouais. là. Et ce n'était pas qu'il était petit, c'est que son père s'appelait aussi Raymond, et forcément, celui-ci ah ouais. était le grand. <laughs> C'était le petit. J'avais pas vu, il y, y a un usage pompier là, donc c'est que y a ça la doit source. être. Donc effectivement, la source, eh bien, ça corrobore que c'est quelque chose qui doit avoir de l'eau. Oui, oui. c'est une eau qui a été analysée il n'y a pas longtemps, qui est potable. Mon père ne boit que ça là, à table, il ne boit jamais l'eau du robinet. Et il y a plein d'autres personnes aux alentours qui viennent chercher l'eau ici. Même de, de Mérigna. De Mérignac qui ah ouais. chercher. C'est vrai. Il m'arrive aussi de venir en chercher. Hein, quand ouais. l'eau du robinet est, est vraiment un goût trop prononcé de chlore ou, voilà bah, elle est bien meilleure ici, oui. après, on peut avoir des mauvaises surprises. Chez mes parents, il y avait à peu près l'équivalent. Alors là, pour le coup, une source karstique, c'est-à-dire que ça ressortait de... ça venait de très très loin, ça ressort juste en bas. D'ailleurs, le, le lieu dit s'appelle Sud La Faune, au-dessus de la, de la source. La faune en occitan. C'est jamais ou pratiquement jamais à l'origine la fontaine, comme en français. C'est la source. <laughs> Sinon, quand c'est une fontaine, c'est-à-dire aménagée, et particulièrement en ville, on appelle ça un griffoule. Euh, c'est un euh, rapprocher de griffo en espagnol qui désigne le, ce qu les, les, les griffons, les, les dragons qu'on mettait, les robinets, voilà. Euh, qui étaient, on en voit encore des, des vieilles fontaines comme ça, décorées avec une sorte de, de dragon qui a été coulé dans le, dans le bronze ou dans le. Dans le métal là, et c'est le griffoule. Et la faune, maintenant, après, si vous avez un endroit qui s'appelle la faune bastide, ça dit bien justement, il y avait une source et on l'a aménagée. On l'a bâti. Quoi. Voilà. Et, et donc chez mes parents, ben, ils faisaient la même chose. Ils allaient chercher l'eau jusqu'à... aller jusqu'à il y a dix ans. Et puis il y a eu l'intoxication tout d'un coup. Et on s'est aperçu qu'en fait, euh, c'est là qu'ils ont eu une idée d'où venait l'eau très très loin euh, un endroit où il y avait des, des infiltrations mais il y avait des une grosse concentration d'élevage porcin et euh, quand on a fait les analyses où oui, ils ont bien vu qu'il y avait un problème et donc maintenant elle est plus, euh, elle est plus euh, potable alors que c'est une eau pendant des, pendant des siècles pour le coup là tout le monde allait chercher cette eau là et elle était elle avait, elle avait un goût je, euh, moi je serais capable de la reconnaître maintenant j'ai plus envie de la boire. voilà donc euh, oui, dans notre goût. Mais c'est vrai que c'est des usages de l'eau. Les endroits, vous voyez des endroits dans certains endroits, même quand on ne connaît pas, il euh, y a des gens, même au bord de la route, il y a des et puis continuent à venir chercher là. On voit des gens qui arrivent avec des, des, des bouteilles en plastique ou, des, ou même des c est, c est pas, Ce n'est pas simplement... Alors, après, il peut y avoir autre chose de bien plus loin. Il peut y avoir des croyances qui. Alors là, je ne rentre pas là-dedans parce qu'on n'est même plus dans la poésie, on est dans des, de la longue durée, euh, euh, c'est-à-dire des choses qui sont antérieures au christianisme et qui continuent vis-à-vis -vis des sources. Et les gens font une espèce de, de goubli boulga de mélange comme ça, de syncrétisme. On va dire c'est mieux syncrétisme quand même. Et, euh, et il y a une espèce de, de vénération pour cette eau sans qu'on sans qu sache vraiment pourquoi. Et on, à aller la, et on continue à aller la prendre. Il y a beaucoup d'endroits comme ça en Dordogne que je connais où il y a une source qui est liée à, à, à la Sainte Vierge. Mais la Sainte Vierge, c'est certainement, comment dire, une christianisation d'une déesse plus ancienne qui a été... Ça, vous le trouvez partout dans les légendes. Euh, les légendes où on explique pourquoi on a construit une chapelle romane en particulier, c'est lié souvent à la découverte d'une statue. Euh, alors, sous des cailloux ou dans une grotte, donc on est lié à la grotte et on est lié à l'eau <laughs> très très souvent. C'est souvent découvert aussi par un par un par un taureau, dans certains taureaux blancs. Donc c'est lié à des cultes euh, voilà et ça, ça signe en fait des, des cultes. On pense d'un point de vue ethnologique plus anciens que le christianisme, qui sont des cultes à la à la terre et à l'eau qui est, qui viennent de dessous la terre. Et euh... Après, ben, dessus s'y est mise la Sainte Vierge, mais qui finalement n'est pas non plus complètement à côté, parce que c'est la naissance, c'est là. La... Vous en avez un exemple un formidable à Villeneuve. Quand vous passez à Villeneuve, c'est le pont, le, le, le pont de Villeneuve à l'origine, <laughs> le pont des Ciutats, euh, vous avez une chapelle, une petite chapelle qui est dans le décrochage et qui est au-dessus, qui s'appelle la voilà, Capelle des Quatre des Poumes la chapelle du bout du pont, qui est là bien avant qu'il y ait le pont, qui est là bien avant qu'il y ait même euh, euh, la, la, allez, la, la bastide. Et en fait, ça raconte l'histoire de, euh, des bateliers qui ne pouvaient plus placer l'eau, l'eau s'arrêtait, comme si le temps s'arrêtait. Et il a fallu qu'un batelier qui ne savait pas nager à l'époque, c'est pour ça que dans la légende, c'est encore plus... Euh, nous on le voit comme si, bon, forcément un batelier sait nager. non, plonge trois fois et revienne avec l'image. Et dans certains contes, ce n'est même pas dit forcément à la Vierge, l'image euh, de la femme avec l'enfant. Donc voilà, il y a une espèce de. Et donc à partir du moment où on revient avec l'image de la Vierge, allez, le, le monde est, est renoué, ça repart, euh, l'eau peut continuer, et la Vierge, on veut la mettre à Ais, et elle revient toute seule au bord du, euh, au bord du lot, euh, au bord du pont. Et ce qu'il y a de très joli, dans le... on a gardé quand même quelque chose dans cette chapelle, c'est qu'elle s'avance au-dessus de l'eau, elle, elle continue à être liée avec vraiment l'histoire de l'endroit, de, de, de et si vous regardez, vous le verrez quand vous êtes, euh, je ne sais pas qui a eu cette idée, mais ils y ont mis quelque chose en haut, il y a la Sainte Vierge, il y a la statue, mais il y a une sorte de, de girouette, je ne sais pas si c'est une girouette, je ne pense pas qu'elle tourne, et c'est un dragon qui est, donc on est tout à fait au, au, au lien qu'il y a votre faille, le drague, c'est-à-dire les, euh, les forces de l'eau qui ne sont pas que des forces mauvaises. Donc on a... Dans un résumé, une légende, ou une légende, en tout cas une croyance antérieure, qui est christianisée et qui continue à, voilà, sa vie en étant surplomb au-dessus de, au de l'eau. Dommage, je ne connais pas de légende par ici, sinon j'en aurais... <laughs> Peut-être que certains les connaissent. Et le ben, on pourrait -être demander, être oui, s'il y a des gens qui connaissent des, des légendes, oui, tout à fait. Ah oui. Bon, là, vous avez une hypothèse peut-être sur le, le, nom de, le nom de lieu, là parce qu'il est assez. Non Personne va oser ce. Se... Voilà, il ben y, a, y, a, y a Jean. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est la forme ça s'écrit en occitan classique, J-O-A-N. Il y a des endroits où ça va se dire Juan Swan, parce que le Dieu. Alors, le dieu en occitan, il peut faire ze, dje, ze, ze, enfin bon, ça. Mais c'est la, la, la manière dont. Euh, et la, la diphtongue à l'intérieur, étymologiquement, c'est juan. Mais dans la plupart des endroits ici, on dit San. Hein, on bouffe le haut. Ce qui fait dire aux gens qui s'intéressent à la langue que le langue de la genèse est un langue de feignant. C'est-à-dire, quand il y a une triphtongue, on fait une diphtongue. Exemple, une biao. Ça, c'est comme ça que disait ma grand-mère pour dire un bœuf. C'est pour ça qu'apprendre anglais, ça ne me gênait pas les triptongues. <laughs> Ici, ça devient une voilà, on fait, on fait une. Et quand il y a une, une diphtongue, ben on va en faire une comme juan ça va donner san ou jan hein, ça dépend de la, la prononciation. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a jan il y a ot janot mais ce qui est intéressant, c'est le is. Alors, ça, c'est euh, dans la langue euh, orale parlée c'est une manière de faire savant, de dire chez les janots outil c'est un pluriel un peu euh, parce qu'on pourrait avoir Janot, mais Janoutis, c'est voilà, c'est chez, chez les Janots. Alors est-ce que c'était le nom de la famille Est-ce que c'était le sobriquet de cette famille ça, Pour savoir ça, on peut. Euh, et ça, des noms de des noms, vous allez en avoir plein. Là, si je prends la, euh, on a vu Ruby tout à l'heure, mais on en trouvera euh, des, des tas d'autres autour, quoi. Donc ce n'est pas que des grandes choses ou des choses très où on peut, où on peut parler des Génévriers et, de, du, <laughs> et des dieux assyriens, c'est aussi des choses de, absolument de, de, de tous les jours, mais c'était vraiment... Euh, ça se perd ça, c'est-à-dire quelqu'un qui vivait là, je ne veux pas dire forcément un paysan, mais quelqu'un qui avait le, tout ça dans sa, dans sa boîte la, depuis la, la jeunesse, il y a une manière de vivre le paysage qu'on n'est plus capable de vivre aujourd'hui parce qu'on passe par tout ça. C'est-à-dire, on, on parle de carte mentale. Euh, ben je l'ai vécu, une des dernières fois, où je l'ai vécu avec des enfants. C'était un petit que j'avais dans ma classe, en classe bilingue à, à peine d'Agenais, où j'enseignais en occitan. Euh, un petit, paix souvenir Ça, c'est joli ce nom. paix souvenir Et on fait une sortie, on prépare une sortie. Et on avait les enfants, on était sur la carte, on voyait les noms de lieux. Et il vient me voir, il me instruit, mais et il pense, mais ça il pense à pas, c'est pas j't'as l'quel qu'alpha. Euh, J'ai pensé c'est pas comme ça qu'il faut faire. parce Et donc il avait dans sa tête tout le, il avait le pays. Ça, euh, je pense qu'actuellement, euh, on n'a on pas, je veux pas dire qu'on est plus idiots, mais on n'a pas cette manière là de percevoir le et c'était un enfant qui était passionné par les oiseaux enfin il avait tout lui vraiment c'était il vivait dans une espèce d'osmose avec ce avec ce qui était le pays de son père et de... ses... Qu'est-ce qu'il mmh. qu qu disait, en patois tu En patois, il disait, mais, mais c'est pas comme ça que je me suis pensé. Mais ça y ça c'est du français d'ici. Je me suis pensé, <laughs> C'est hein, <laughs> euh, pas comme ça qu'il faut faire. Il faut aller à la dévaise. C'est-à-dire c'est un, un lieu qui n'est même pas sur la carte. Mais, mais lui, c'est où c'est Parce qu'il y a une opalanco, il y a une petite passerelle. On va passer. Donc en fait, il nous indiquait un endroit depuis l'école où on avait gagné énormément parce qu'il avait toute cette. Euh, cette zone, mais plus que cette zone. Quand on l'interrogeait sur des endroits autres qui étaient des terrains des, des voisins, il savait, il avait il avait ça. Pourtant, le papa était pas chasseur, mais c'était inscrit, c'était vraiment en discutant avec la grand-mère, en entendant parler il faudra qu'on aille là où je, suis, où je suis. Je suis passé par là, j'ai vu le voisin qui était en train de faire son maïs. Donc, il avait toute cette. Et là, on n'est pas loin de ce qui a donné lieu à tous ces noms-là. Et ça, ça se nécessairement, ça va se, se perdre parce qu'on a... Même nous, si on y habite, euh, combien on est à, se, à, à vraiment euh, se promener régulièrement, à connaître les gens, voilà, c'est plus... Euh, ça se, on trouve des gens qu'on euh, qu appelle des piétons, de ville, hein, des piétons de ville, mais des piétons maintenant de la campagne, <laughs> on fait de la randonnée, comme on disait tout à l'heure, voilà, on marche comme ça. On ne regarde pas forcément, on ne prend pas forcément le temps de discuter avec les gens qu'on va rencontrer, euh, Vo voilà, on ne voit pas. On voit, non, non, mais c'est vrai. On marche, c'est ça. Alors c'est important aussi, mais moi j'ai toujours aimé prendre mon temps quand je marchais. Donc euh, voilà, ça fait partie des, des plaisirs. Et ces, noms, et ces noms, alors après, vous en avez des... Ce, ce mot is, vous allez... Enfin, ce n'est pas diminutif, mais euh, ce suffit, vous allez le retrouver dans d'autres noms de... Voilà, omartis », martis, voilà. voilà. C'est un pluriel. Mais Martis, encore, ça peut être logique au sens où Marty, c'est voilà, c'est Martin, et on met le s. Mais là, il y a le Is, c'est Janot. Normalement au pluriel, ça ferait As Janots. Mais Janotis, c'est euh, voilà, et on le trouve dans, dans, dans pas mal de noms de, de lieux comme ça. Ça pose la ça. Vous voyez, ils étaient fi, voilà, on était fiers de la de la propriété, <laughs> sans pouvoir en dire davantage. Il y a quelqu'un qui avait une question tout à oui, l'heure oui. d'Alila. Je si voulais poser sur les dragons. Oui, jusqu'à présent, à chaque fois que j'ai entendu parler des de dragons, de le christianisme qui euh, représente le, le mal. Oui. Et euh, le lien avec les dragons et l'eau. Alors, alors, voilà, parce que nous, on a, malgré, on a perdu le lien de notre propre, de notre propre culture aux dragons. On est euh, dans les dragons qu'on a vus dans les contes ou dans des choses liées à l'air la, à et, et au feu. Mais euh, euh, dans notre région, tu ne veux pas l'appeler occitane, parce qu'on ne sait pas si ce pas plus ancien, ils sont liés à l'eau. Ils sont énormément liés à l'eau et aux eaux de, de, de sous la terre. En plus, on ne les appelle pas toujours un dragon, au sens vraiment comme on le dit en français, on, on, on parle de drac. Et le drac, ça peut être aussi bien une personne, une personne comme vous et moi, qui prend cette apparence-là, le drac pour dire c'est. Je le file le diable. Le diable, si je dois dire comme dit ma grand-mère. C'est le fils du diable. C'est-à-dire le diable. C alors, ça, c'est antérieur au christianisme. Hein. Euh, c'est des esprits malfaisants qui vivent sur Terre et qui se reproduisent avec des filles normales. Hein. Et ils ont des enfants. Lus dracus. Et ça, les dracus, ils sont l'équivalent dans les contes plutôt des farfadés ou autres. Ils peuvent être très méchants, mais ils peuvent être très couillons. Ils font des bêtises, ils mettent le désordre, ils donnent des gifles dans la nuit. Enfin, voilà, C'est des choses un peu de cet ordre-là. Mais l'oudrac, qui désigne une espèce d'entité comme ça, pas très claire, il peut avoir, et il est lié à l'eau, et il a souvent, il peut avoir dans certains cas, une, une apparence de dragon. Voilà. Mais il y en a un second, parce qu'on n'est pas loin de la zone Périgorde, ici, et on a le coulobre. Alors là, c'est lié quand même, hein. c'est le coulobre, et comme son nom l'indique, ça désigne le gros, une espèce d'animal qui est vit sous l'eau, ou qui est lié pareil à l'eau, et aussi aux cavernes, aux roches. Vous en avez un très célèbre, c'est celui de. Bon, il y a deux célèbres. Il y a celui qui, est, qui vivait à Périgueux, et que Saint-Froun a, a chassé. Euh, et donc voilà, on lui a dédié une église à, et c'est l'église mère de, 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 de Périgueux parce qu'il a chassé Lou Coulobre, qui pareil empêchait les bateaux d'avancer faisait chavirer les, les mariniers euh, dévorait des jeunes filles sur le bord là on retrouve d'autres légendes et bien y en a un sinon c'est à, à la linde à la linde Al de la Gratus, ça s'appelle. C'est un endroit sur la Dordogne où d'un coup il y avait rap, rapides. Donc pour les mariniers, c'était un endroit avec des barques à fond, enfin des gabarres à fond plat. Ce n'était pas évident, plein à charger à mort. Hein. Et donc eh bien, on racontait que s'il y avait un problème, etc., c'était la faute du drac ou de la faute du Culobre. Voilà. et je crois, je crois même qu'il y en a un, un endroit qui s'appelle au sort de la gratitude juste à côté il y a le trou du drac donc c'est là qu'on voit qu'il y a deux noms mais que c'est la, la même entité et il se trouve que tout ce qui est serpent, tout ce qui est sous l'eau, tout ce qui est sous terre dans les sociétés antérieures au christianisme et même dans le christianisme c'est pas si simple que ça parce que tout symbole il est ambivalent mais, mais dans les sociétés antérieures au christianisme c'est symbolique de, de, de connaissance le serpent Savoir les secrets, c'est lui qui parle le langage des animaux, c'est lui qui peut dire aux bergers le langage des animaux. Il y a des tas de légendes comme ça. Et, et, et en même temps, il est, il est, il est, il est symbole de renaissance, puisqu'il va se cacher sous terre et il ressort au printemps. Donc, il y a. Si vous allez à Duravel, pour finir avec le, comment l'église. Ce n'est pas forcément de la récupération. À l'église de Duravel, vous avez une crypte, donc romane très ancienne, et vous avez un pilier, un magnifique pilier, où vous avez un pan qui est sculpté en haut. Alors c'est la vie éternelle, le pan c'est la résurrection, c'est la transformation du végétal en, en animal, en oiseau, puisqu'on a un jeu sur les palmettes qui font, les, qui font les, la roue du pan, enfin c'est vraiment magnifique, même si c'est fruste comme, comme travail. Et en bas, sur le pied de la colonne, vous avez un serpent. Et ce serpent, il est entouré, il fait pas parfaitement un 8, mais enfin bon. Pratiquement, c'est ça. Alors, bien sûr, il est en bas et l'oiseau est en haut. Mais s'il n'y avait pas ce serpent, il n'y a pas la colonne, il n'y a pas l'arbre de vie. Et donc, il n'y a pas les fleurs, il n'y a, y a, y a pas tout ce qui fait que. Euh, dans, dans ces sociétés-là, euh, et même pour le christianisme, ce n'est pas forcément le mal. Mais après, il faut aller chercher dans l'interprétation, dans les légendes, dans les contes. Euh, et. C'est comme le lion, le lion euh, il peut être mauvais, euh, si vous le trouvez dans des églises euh, romanes, vous allez le trouver. Ça dépend s'il est à gauche, ça dépend quest ce qu'il est en train de faire. Ça peut être un lion donc mauvais. Euh... Je donne un exemple, si vous allez à Moissac, vous êtes devant le porche d'entrée de Moissac, à... vous avez des lions sur le tr... la colonne qui, est dessus, qui sont croisés comme ça, qui montent, c'est des mâles et des femelles. Donc, c'est croissé et multiplié. Elle monte et juste au-dessus, vous avez le Christ. Or, le Christ, dans les... quand on lit l'Ancien les... Testament, on, on l'identifie comme celui qu'on appelle « un lion viendra de la tribu de Judas ». Donc, voilà, il y a le lion positif qui mène au Christ. Et juste à gauche, vous avez Saint-Pierre qui se tord comme ça, qui a ses clés là pour dire de... vous dire de rentrer. Et il est sur un... Il est trépigné, un lion qui est... qui est complètement tordu et qui là représente la force, la force brute. Voilà deux lions, l'un à gauche néfaste, l'autre euh, central qui monte au Christ, positif. Donc c'est très très compliqué. Et en tout cas c'est pas ça n'a rien à voir avec les peurs qu'on a pu nous apprendre du serpent qui peut piquer, qui peut. C'est bien plus compliqué que ça dans les dans la, en tout cas dans les cultures traditionnelles dont on a perdu. La... C'est les, les, oui c'est légende où il y a un, un jeune berger un garçon. Excusez les filles, mais c'est vrai que c'est très alors, euh, centré sur les mâles. Hein. C est, c est... Les filles, on en parle même pas de leur euh, du fait qu'elles peuvent apprendre. Hein. Et là, c'est des garçons tout le temps bergers, alors que c'était souvent des bergères dans la réalité. <laughs> et donc, il, il, il sauve un serpent du feu, justement, et le serpent va l'amener euh, dans son antre et va lui apprendre le le secret du langage des animaux. Et du coup, le garçon, en fait, c'est un le garçon a grandi, il est devenu homme et il sait. Écouter les bruits de la nature, il sait comprendre. Voilà, c'est une symbolique de, cette, de cet ordre-là. Mais tout est arrivé par le, par le serpent. Il y a même une légende qui dit que c'est pour ça que les bergers en sculptent sur leur, sur leur bâton. C'est pour rappeler que le bâton qu'ils ont mis au milieu du feu pour que la, la vipère puisse sortir de, du feu et soit sauvée. Donc voilà. Euh, on ne ferait pas des contes comme ça si le serpent n'avait qu'un côté euh, euh, négatif. Mais, mais le serpent, le dragon, est aussi célébré dans d'autres euh, ailleurs, et, et, ou à, et, on pense à la Chine. Voilà. À oui, oui, tout à fait. Mais, on y, on y, de toute façon, mais ils existent dans. C'est antérieur même aux religions qu'on qu on connaît maintenant. De toute façon, y compris au paradis, c'est le serpent qui est entouré autour de l'arbre de la connaissance. Okay. C'est pas simplement qu'il est mauvais, ça représente les croyances antérieures et Adam et Ève, pareil, si vous discutez avec un, un curé qui a appris, il vous dira que ce n'est pas simplement parce que c'est le serpent et que les méchants. Non, c'est parce qu'ils ont écouté les dieux anciens. Et c'est pire. Et c'est pire que, de, que tout le reste. Voilà. Merci. Est-ce qu'on peut continuer Oui, on va continuer. Oui. Allez. Frédéric Ouais. A, on ne va peut-être pas rester trois mois parce qu'il y a beaucoup de voilà, soleil. Mais il y a par... ce panneau ici, oui. Al Marmier. Voilà. -Marmier. Alors là, là, ça pose un problème à celui qui s'intéresse au nom de lieu parce que Marmier, c'est le marbre. Bon ici du marbre. Par contre, marmier, c'est un nom euh, très répandu dans le, dans le coin. Et quand on a à marmier, ça veut dire chez Marmier. Voilà. Parce que nous, on a... Un euh, champ, un pré, on dit à la marmière. Ah 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 ben bah oui, alors oui, mais, mais Et c'est le, pré, et c est c est le champ marmière. et le pré. Alors récemment, comme il est au féminin, donc ça, ça pourrait être que ce n'est pas du marbre, mais que c'est peut-être de la pierre particulière. Est-ce qu'il n'y aurait pas de quoi faire des. Euh, pas forcément, mais des. Je vais y arriver, des meules. Parce qu'il peut arriver qu'on appelle marbre des choses qui ne sont pas dures, mais ça veut dire de la pierre un peu dure, la marmière. Ça, c'est à vérifier, parce que ça pourrait être effectivement un endroit où on pouvait extraire de la, euh, de la pierre à meule. Ah oui, je n'avais pas pensé à cette idée, parce qu'à marmier comme ça, mais ça peut être aussi de la propriété de marmier. C'est ça qui est embêtant, c'est que c'est pour ça qu'il il faudra aller voir ou voir des choses que l'on sait sur le coin ou demander aux gens pour s'en rendre compte. Parce que marmier, c'est un nom euh, vraiment... Euh, très répandu par, par ici. Quoi. Mais c'est bon, on n'a pas parlé de ça, mais il y avait toute une mise en, toute une mise en valeur oui, de, la, de la roche qui nous paraît la même à nous. Et on l'utilisait en fonction de ce dont on avait, de ce dont on avait besoin. Quoi. Y compris pour faire du... Pour faire la, quand il y avait de la, pour faire de la, mettre dans les fours à chaud, d'autres pour faire pour faire des, des meules, quand elle est quand même plus dure avec du, du silex dedans, etc. Voilà démoli maintenant mais il y avait des pierres et euh, ah, oui, il y avait euh, bon. une mare et plus loin oui il y avait une autre petite, euh, petite maison alors est-ce que c'était une... parce que souvent il y avait des espèces de veines c'était pas forcément des vraies euh, des, des vraies mines mais on, on, on utilisait ah, ça ouais. tant que la veine pouvait donner et qu'on pouvait utiliser des, euh, le, 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 le local et le développement durable, c'était ce panneau qui l'avait inventé. Il fallait se servir sur ce qu'il y, qu y avait. Et quand on regarde comment c'était encore au 19e, c'est impressionnant comment on mettait en valeur vraiment en fonction de tout ce qu'on avait sous la main. Si vous allez dans la vallée, quand vous voyez, il faut être curieux aussi, voir ces vieilles maisons qui sont encore faites en, en tape c'est-à-dire en terre, ce n'est pas des briques, hein, c'est un bancher qui, qui était monté comme ça, il faut, faut voir, ça c'est un matériau euh, composite de première et génial, Avec seul problème c'est quand il y a l'eau qui fouille à la base. J'ai vu moi une... Enfin j'ai vu, on me l'a montré, je ne l'ai pas vu tomber, mais chez un voisin, là, 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 un mur d'une vieille grange est tombé d'un coup, comme ça, parce qu'il avait été fouillé par une source qui était ressortie. Et le mur n'est pas cassé, c'est-à-dire le mur est tombé comme ça. Par contre, le mur en parpaing qu'il y avait en face du hangar, il est explosé. Ouais. Donc cherchez le, <laughs> cherchez le bon matériau. <laughs> Et tu dis c est, c est Frédéric Oui. Ah bah, tu est-ce que tu pourrais nous faire quelques commentaires sur le dernier panneau du circuit ah, Alors celui-là il est embêtant aussi, il, il résiste. Alors euh, Salassou, ben ça peut être construit sur salle, la salle, c'est un vieux euh, un nom, un vieux un vieil occitan qui vient du germanique, qui désigne une, une demeure euh, seigneuriale. Pas forcément un grand machin, hein. c'est un petit seigneur qui a un logis seigneurial. Et Salas, ça, ça, ça serait l'augmentatif, le, 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 et Salasou, un diminutif et un augmentatif. Ça ne paraît pas, pas crédible. Ça pourrait être tout simplement Salos. Salos c'est un, un nom de... Euh, J'ai beaucoup d'amis qui s'appellent Salos, c'est un nom de famille, et Salasou, Si jamais il y a un sale quelque part, s'il si y a une partie de la famille qui va ailleurs, ou une, euh, ou une autre partie de la propriété, on met souvent un diminutif. Ça, c'est... Voilà. voilà ce qu'on peut dire sur ce... Mais rien à voir avec le sel, par contre. Salle, salle, y a la commune, oui, mais ça peut être quelqu'un. Mais tout ça, ben voilà, qui n'est pas qui est pas loin. Voilà, qui vient de salle, tout simplement. Une salle à sou, une salle à Voilà, c'est quelqu'un de salle Voilà. Voilà. Oui, oui, oui. Alors, on a, on a entamé en parallèle un travail dans lequel François est impliqué. On est allé voir les habitants de la commune pour leur demander de nous parler de leur, euh, du nom de leur maison. Ah, mais ça c'est bien. Donc on a commencé à travailler sur cette partie de la commune. Alors ce qui est très intéressant, ça c'est toi François qui l'a entendu ce témoignage, mais euh... c'est l'interprétation des gens qui habitent à Salassou. Mais ça, mais ça moi je le revendique aussi. Il faut, Alors qu'est-ce qu'ils il disent François on nous a dit que c'était sans dessus dessous. Oui, 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 oui. oui, oui. Ben, je, Dans le même ordre, il y avait un, on faisait un peu le même travail sur Moissac, donc, il y avait un, un vieux lieu-dit qui n'existait plus sur le euh, sur le casas, puis Ils avaient remis. Donc, et ça s'appelait Crous, donc Croix là, Delcune. Alors Delcune c'était écrit D-E-L-C-U-N. Alors Elkin, Elkin, ouais, mais ça me dit, ça doit être un nom ancien, ça, ça doit être là où... Tout simplement, quand on regardait, quand on allait à l'endroit, vous avez deux chemins qui se rejoignent et vous avez une pointe comme ça, un... je la crouche c'est un coin, tout ah, simplement. Voilà, de voilà, de voilà. De voilà. De mais ça avait été mal ça avait été mal coupé oui. et les gens disaient, mais si, mais il y a dû avoir quelqu'un qui s'appelait Elkin, ça devait... Je ne sais pas si c'est pas quelqu'un, alors je ne sais pas s'il avait, été... avait été à l'école, il avait peut-être... Un... Alcuin dans l'oreille. Enfin, voilà. il, il, du coup, que c'était mal coupé, il était parti sur une légende. Mais ça, c'est vachement intéressant. En classe, on le faisait aussi pour faire écrire les enfants. Pour... Imaginez pourquoi ça s'appelle comme ça. Il y a beaucoup de contes comme ça. Oui, oui, ça Mais c'était après de c'est toi qui dit un lieu dit qui s'appelle L'Homme mort. Ah alors, oui, alors ça... Ah ben, alors moi, alors il, y oui, deux, meurtre, il y a deux Il y a deux, deux quoi, trucs... Pouvait... Il y a, mais c'est pas ça pouvait... Là c'est pratiquement sûr. Il y a deux trucs très courants, des, des noms qui existent partout. C'est L'Homme mort et... Euh, ça va me revenir l'autre en parlant de... Oui, et euh, Bel Air. Alors on va commencer par Bel Air. Bel Air, vous allez voir écrit avec air. Alors on vous dit oui, c'est ce que c'est beau, etc. Bon, quand c'est dans un coin comme ça, là, vous dites, bon, ouais, déjà ça. Et en fait, quand on regarde justement, c'est pour ça que c'est important les textes. Vous voyez que Bel Air, vous avez les orthographes avec Bel Air, avec écrit Air mais avec un h devant. Or, ce h, vous le retrouvez dans les formes pour désigner quand on, on francise un mot latin qui est remus qui veut dire le, 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 le désert l'endroit, le, à la, la friche, l'endroit perdu. Et tout simplement, la belle la belle ou la grande, parce que belle, en occitan, c'est grand. Donc Bel-Air, euh, c'est tout simplement la grande friche, c'est-à-dire la grande saloperie, quoi. C'est pas, pas très... <laughs> en fait, ça n'a pas... Mais, mais maintenant, les gens l'écrivent le, de plus en plus en Bel-Air à, à hier. Et alors, celui qu'on disait, l'homme mort, il y en a beaucoup, hein. Euh, pas loin de chez nous, il y en a aussi la, la cambo, la cambo de, 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 de l'homme. Mais c'est pas la cambo de l'homme, c'est la cambo des loups. C'est l'orme. Le, Et les ormes, il y en avait beaucoup plus. Ils ont une maladie maintenant, mais ils servaient beaucoup de repères. Euh, il y a des maisons, euh, beaucoup en avaient aussi autour avec la, l'allée d'ormes, etc. En Garonne, vous savez, ces espèces de trucs qu'ils faisaient, où ils levaient, qu'ils appellent ça des tapes. Hein. Ils, ils montent la terre, des mâts aussi. Ils montent la terre parce qu'ils savaient qu'il y avait une inondation. Et donc on mettait la propriété là-dessus, on pouvait y monter les vaches si jamais. Euh... Mais tout le tour en général c'était fait avec des ormes, maintenant c'est mort. Et donc tous les endroits qui s'appellent hommes, et souvent c'est. Et quand on regarde les textes anciens, il y a OU qui devient om, m Ou alors des fois H-O-U-M-E. <laughs> enfin, bon, des... Mais c'est le... tout simplement là, ça veut dire l'orme le... mort. L'orme mort, voilà. Oh, oui. Oui, mais enfin, c'est bien aussi d'imaginer qu'il y a, qui, qui a, qui a eu un meurtre, c'est pas... Merci beaucoup. Merci beaucoup, Frédéric. Oh, de rien. Magnifique. De, de rien, il suffit d'appuyer sur le bouton. Non, mais ça me fait plaisir de le partager. Je disais, je sais plus à qui ce matin en partant, que l'an dernier, j'étais très content puisque j'ai eu à former des jeunes des jeunes collègues et qui allaient enseigner en classe bilingue. Donc, déjà, ça me faisait plaisir parce que, voilà, ça continue. Donc, classe bilingue, ils apprennent en occitan aux enfants. Mais si on leur apprend que la langue, ça n'a aucun intérêt. Je ne veux pas dire qu'il y a une culture occitane, mais il y a des choses à savoir. Et où aller chercher, et qui aller voir, etc. Il faut, il faut, ça, exactement, ça s'inscrit. Et ce que je n'avais pas mesuré, c'est qu'en chemin le grand plaisir, ça a été de leur apprendre des choses que m'avait apprises ma grand-mère, comme m'avait pris euh, ma grand-mère, c'est-à-dire euh, du genre euh, une comptine pour quand on s'est blessé, pour les enfants, etc. Ça, c'est des choses qu'elle m'a transmises directement. Oui, monsieur, hein. Voilà, <laughs> oui. Pelle de, pelle, de, pelle de cabre pelle de cabrite, l'outil de à Voilà, c'est des choses comme ça. Et ça, c'est vrai que ça fait... Pelle de cabres, pel pelle de cabrite, poil de chèvre, poil de chevreau. Ton, ton mal est guéri. ça marche pas, bien sûr, en français, puisque ça rime pas. et les enfants me disaient que ça marchait bien et j'avais des petits à la maternelle qui étaient pas dans ma classe qui venaient me dire, tu me fais le truc des occitans parce qu'il paraît que ça va mieux. vrai, véritable. fais-moi, fais-moi le truc. je suis tombé. Paratze ni permetais se cubi de to las lengos, tuto las cars e mai los mòs que se calèron e mai los muts que se calièron. Lo meu silenci prestit de vostress crits, comoo piado de muts dins lo casal del c cos, lo meu silenci s’infinis, a rasis des homes. la de cumbiat la buco autres. Alors la traduction, le, 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 le poème peut se traduire sans trop de mal, mais le problème de passage toujours pareil d'une langue à une autre, c'est que le mot parazé, en français, ça va faire, vous allez trouver lignage. Alors ça correspond en partie, transmission, mais en fait ça, ça désigne aussi le fait de se sentir à égalité avec les gens qu'on rencontre. parazé. Parade, c'est par exemple l'attitude en plein Moyen-Âge des, des gens de Carcassonne qui refusent de livrer les hérétiques euh, à l'armée euh, croisée euh, en disant Mais les hérétiques, ce sont des cathares et ils sont considérés comme hérétiques, en fait, c'est des chrétiens autrement. Et donc ils disent Mais ici, on n'a pas d'hérétiques, on, on a seulement des gens de Carcassonne, des citoyens de Carcassonne. Alors, c'est vrai que, bien sûr, euh, euh, ça résonne avec ce qu'on qu qu connaît aujourd'hui, mais voilà des gens au Moyen-Âge qui refusent de livrer des gens sous le prétexte qu'ils sont, euh, qu sont d'une autre religion, et qui mettent en avant le fait que ce sont des concitoyens, ce sont des gens qui vivent avec eux, point, et ça suffit à les, à les déterminer. Voilà, voilà ce que ça veut dire aussi « paratse » et euh, « et partage » aussi. Ça a aussi un sens de… Voilà, de de reconnaître l'égalité des autres et de justement d'échanger. J'ai beau me taire, j'invite toutes les langues, toutes les chairs, même les morts qui se sont tus et même les mots une fois figés. Mon silence, il est pétri de vos cris comme l'empreinte des mots dans le jardin des corps. Mon silence, il s'infinit tout près des hommes. C'est que ma langue, je la tiens d'avoir trempé dans la bouche des autres. Voilà. Je vais pas lire d'autres aussi. Ça suffit.